Catherine, bonjour. Bonsoir Nathalie. Merci d'être là ce soir. J'ai deux questions qui sont extrêmement simples. Ouais. C'est quoi ta plus belle réussite en 2018? Ma plus belle réussite, ça va être difficile d'en tourner une seule parce que 2018... Parce qu'on est à la fin. D'accord, ok. C'était une très belle année pour la relation client mythique cette année. Oui. Je dirais une très belle migration sur un nouvel outil. Ça a été une de très très belle réussite. De relation client, de gestion des contacts avec un nouveau prestataire. Je crois qu'on en a entendu parler un peu dans voilà. la presse. Voilà, donc une très belle réussite et tout s'est vraiment très 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 bien passé. D'accord. Puis l'autre réussite, ça a été sur le côté plutôt self-care, le lancement d'un chatbot. D'accord. Et une nouvelle gestion voilà, de notre expérience relation client. Ça fonctionne. Ça fonctionne. D'accord. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup sur l'expérience client, relation client. Les insights. Voilà, sur les insights qu'on va utiliser avec de l'analyse sémantique, avec de la formation, du suivi donc, qualité. C'est pas que le bot. C'est aussi toute l'analyse de ce que ouais, des c'est échanges. Ça. C'est, ce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait faire. Donc on a beaucoup appris. Un peu plus loin que le bot. D'accord. Ouais. Donc on a beaucoup appris cette année et on a plein de belles choses à faire encore en 2019. Ah bah c'est une très très belle transition alors. Ah, un hashtag pour 2019. Hashtag pour rester dans cette lignée-là, j'ai expérience client, self-care. Et un truc un peu fou alors. Un peu fou. Réputation, gestion de la marque. Non, c'est pas assez fou ça. c'est pas assez fou. Continuer à surprendre nos clients et continuer à surprendre tous les célibataires qui sont sur Mythique. Ah ça, j'adore. Moi, voilà. Je veux bien. Bravo, allez. Catherine. Une très belle année 2019. Merci, Nathalie.